Mireille, écoute-moi, essaie de comprendre. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement, tu le sais bien. Je sais que tu es un faible, un lâche. Voilà ce que je sais. Mais je t'aimais, je t'aime toujours, je n'ai jamais aimé que toi. Mais tu épouses Brigitte Parzac. Belle preuve d'amour. C'est la carte forcée, je ne suis pas libre. Évidemment, puisque j'existe. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux, ce que je voudrais. Ah, j'aurais voulu, moi, que tu sois un homme, que tu prennes tes responsabilités. Mais tu te défiles tout le temps, tu es insaisissable, tu n'as aucune volonté, aucune. Ta volonté, c'est celle de ton père. J'ai tout essayé, il n'y a rien à faire. Quand ton père a dit oui, c'est oui, quand il a dit non, c'est non. Alors tu t'en es toujours tiré avec des peut-être qui pouvaient mener à rien. J'ai voulu gagner du temps. Mais pourquoi faire, Jean? Pour arriver là où nous en sommes? Pour te marier dans 2 mois avec la petite Brigitte Parzac? Je ne lui en veux pas, remarque. C'est à toi, j'en veux à toi seule. Ne parlons pas de ton père, un tyran. De ta mère, un zéro. De ton oncle, un brave type qui aurait mieux fait d'aller chercher fortune ailleurs. Tu es sévère. Ai-je raison? En un certain sens, Mireille, tu n'as pas tort, mais tu manques de nuances. Ma mère essaie d'arrondir les angles. Sans résultat, donc, sans intérêt. Mon oncle Raymond, qu'est-ce que tu veux? Il a eu des ennuis. Oui, je sais, je sais. Ton père l'a sauvé de la faillite, il l'a pris avec toi dans son entrepôt, vous marchez tous les deux à la baguette, mais c'est moi qui en subis les conséquences. L'oncle Raymond, je m'en fiche. C'est un flambeur qui ne s'intéresse qu'aux cartes, à la roulette, grand bien lui fasse. Il perd tout ce qu'il veut, mais on le lui fait payer cher. Si la petite vie qu'il mène lui plaît, tant mieux. S'il est content d'être logé à l'entrepôt, de prendre ce repas avec vous, d'être moins considéré que le dernier des manœuvres, laissons-le à sa médiocrité. Et n'en parlons plus. Mais toi, Jean, toi tu voulais faire ta médecine. Oui. Tu ne l'as pas faite. L'entrepôt de Victor Chamboret gardait ta place toute chaude, où tu y as couché, tu t'y trouves bien. Quand père se retirera, je prendrai la suite, c'est mon devoir, je crois. Tu crois? Oui, mais tu n'en es pas sûr. Tu n'es jamais sûr de rien. Il n'y a pas si longtemps, tu n'étais pas sûr d'épouser Brigitte Parzac. Oh, les choses ont évolué. La petite Parzac a pris ma suite. C'est une habitude, décidément, dans votre famille. Mais mon père n'a rien contre toi, Mireille. Mais c'est encore heureux. L'affaire de couture que j'ai avec maman marche bien. J'habille toute la clientèle chic de la région. Je ne dois rien à personne et je ne demande rien à personne. Rien, sauf mon dû. Après ce que tu m'avais promis, mon dû, c'était toi. Nous avons parlé de certains projets comme ça, en l'air. Nous en avons parlé très sérieusement. Si sérieusement que je me voyais déjà Madame Jean Chamboret. Je ne me croyais plus disponible, mais tu l'étais. La place est prise. J'ai été gourde. J'ai eu confiance. Mais avoir eu confiance en un être comme toi, Jean, c'était la pire des imbécilités. Tu m'as fait la cour. Mais c'était prendre le problème à l'envers. La cour, c'est moi qui aurais dû la faire à Monsieur Chamboret pour me mettre dans les bonnes grâces de cet homme terrible devant qui rien ne compte, surtout pas toi. Ah, je t'en prie. Ton père n'a rien contre moi, vraiment. Eh bien, moi, je serais plus franche. Ton père, je le hais. Après ce qu'il m'a fait, je lui souhaite tout le mal possible. Est-ce que je suis la seule à le détester? Non, tout le monde le déteste. Tu le sais aussi bien que moi. La colère t'égare. Oh, je t'en prie, pas de phrase. Tu te paies des mots parce que tu es incapable d'agir, de te mettre en avant, de te manifester. Au lieu de se battre, des mots. Mais qu'est-ce que vous avez donc tous à vous mettre à plat ventre quand il vous envoie à la niche? Pourquoi rampez-vous? Il vous fait peur. Je pense exactement, il se fait craindre. Mais c'est un trait de son caractère. Puisque jamais personne ne pourra le changer. Autant le prendre comme il est. Vous en êtes tous là, c'est effrayant. Même cette pauvre Cécile. D'ailleurs, celle-là, je la plains. Elle va avoir tué père et mère pour finir secrétaire de Victor Chamboret. Mais pourquoi reste-t-elle au lieu de s'en aller? Qu'est-ce que tu veux? C'est assez normal qu'à 40 ans, elle ait peur du changement, peur de l'avenir. C'est ce que je disais. La peur. Toujours la peur. Ta mère a peur, ton oncle Raymond a peur, Cécile a peur, tout ça. Parce que Victor Chamboret existe et qu'il fait en sorte qu'on ne l'oublie pas. Mais c'est trop facile de tout mettre sur le dos de la peur. L'oncle Raymond veut être tranquille. Cécile est dévouée à notre affaire. Pourquoi chercher plus loin? Tu vas tout de travers, Mireille, tu ne te contrôles plus. Mais dis tout de suite que je suis folle. Mais je finis par me le demander. Restons-en là, à quoi bon discuter, puisque c'est inutile. Alors c'est bien vu, bien décidé. Nous deux, finis. Je ne suis plus libre, Mireille. Essaie de le comprendre, pas même libre d'avoir dans ma position, comment dirais-je, une aventure. Mufle. Sale mufle. C'est ton père qui t'a soufflé le compliment. Oh, tais-toi. Non. Assez parlé de mon père, hein. Laisse-le où il est, ça vaudra mieux. Non, mais dis donc. On dirait que tu reprends du poil de la bête, ça te change. Mireille, rends-moi cette justice. Je t'ai parlé avec mon cœur parce que je t'aime. Si je ne t'aimais pas, je n'irais pas mis autant de forme. Ce qui est passé est passé. J'ai mon avenir, tu as le tien. Nous n'avons plus le même, c'est tout. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Je n'ai pas l'intention de faire un drame, mais je tiens à te dire que tu m'as déçu. Qui puis-je? Tous les salauds me déçoivent. Je préfère te voir tel que tu es, non tel que je t'imaginais. Tu n'as décidément pas la rupture élégante. Ça, je te respecte trop pour te laisser un chèque. Je te le ferai avaler, ton chèque. Raison de plus pour pas se tenir. Ça me fait choquant, oui. Et bien, tout de suite. Et pour toujours. Par exemple, si je m'étends en l'air.
Adieu, va et sans regret. Tu peux en être sûr. Mes enfants, mais qu'est-ce qui se passe? Mes enfants, allons, voyons. Non, ne te mêle pas de ça, maman. Mais il ne faut pas vous mettre dans des états pareils. Mireille, calme-toi, je vous en prie. Je m'en vais. Adieu, Mireille, tant pis. Adieu, madame. Croyez que je regrette. Mais c'est moi qui suis désolée de vous voir aussi nerveux. Enfin, reposez-vous quand même un peu avant de partir. Le grand air me fera du bien. Le grand air, Mireille. Je te jure, j'en ai besoin. Ah, tu n'es pas le seul, je te connais, va. En voulant tu te sentiras mieux du moment que tu fais de la vitesse, plus rien ne compte. Allez, fonce. Et pardon, qu'est-ce que tu attends? Jean! Quoi encore? Jean, fais attention. Ne conduis pas trop vite. Grâce au ciel, ce Chamboret, il n'y a plus peur que de mal. Votre fils n'a rien. Un vrai miracle, c'est moi qui vous le dis. Un miracle, gendarme. Eh oui. C'est un miracle de rentrer dans une borne quand on fait à peine du 70 à l'heure. Ne dis pas le contraire, Jean, le compteur est bloqué à 70. Alors quoi, tu ne sais plus conduire? Il faut dire que le bas de côté de la route est mauvais, et il a dû déraper. À quelques mètres près, il partait dans un champ. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Chamboret, un accident, ça ne se commande pas. Où est la voiture? La dépanneuse est sur place. Elle va la remorquer chez vous. Dans quel état? Il n'en reste pas grand-chose. L'assurance dira qu'elle est tout juste bonne pour la ferraille. Tout l'avant est enfoncé. Misère de malheur. Mais mon ami, j'en ai pas blessé, c'est l'essentiel. Lucie a raison, Victor. Ta sœur n'a jamais tort, Raymond, je sais. Mon fils non plus, et toi non plus. Une voiture de sport toute neuve, surbaissée, décapotable et tout. Malheur. C'est l'affaire des assureurs, papa. Nous ne perdrons rien. Toi, Jean, tu ne vas pas commencer à m'échauffer les oreilles. Ce que tu as de mieux à faire, c'est de la boucler. Mais papa, enfin... La ferme! Si quelqu'un a le droit de dire quelque chose ici, c'est moi! Monsieur Chamboret, il faut voir les choses comme elles sont. Des dégâts purement matériels, c'est quand même moins grave qu'un accident corporel. Votre fils n'a blessé personne. C'est pas comme l'autre. Quel autre? Le chauffeur. Il a renversé deux enfants qui sortaient de l'école, justement sur la même route. Oui, pauvre gosse. Ils sont bien touchés. Je les ai fait conduire à l'hôpital. Après, vous savez ce que c'est, le constat à faire, les mesures à prendre. C'est ce qui nous a retardés. Autrement, je vous aurais ramené votre fils depuis plus d'une heure. Oh, pauvre petit. Mais j'espère que cet homme sera condamné comme il le mérite. Ah, cet homme ou cette femme, l'un ou l'autre, à condition de mettre la main dessus. Il ne s'est même pas arrêté, le salaud. Délit de fuite. Si quelqu'un ne nous avait pas alerté en nous téléphonant d'un poste d'essence à 2 kilomètres de là, il mourrait au bord du fossé. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Moi, je vous le dis, c'est révoltant. C'est bien qu'en janvier, la nuit tombe vite et que le conducteur a pu ne pas les voir. Mais quand même, il y a eu le choc. C'est impossible qu'il ne se soit perçu de rien. La peur des responsabilités, comme toujours. Comme toujours. C'est bien pour ça que tout va de mal en pis. Personne n'ose lever le petit doigt, le craindre que le ciel lui tombe sur la tête. Dans ma jeunesse, j'ai connu des hommes, des vrais. Où sont-ils passés? Une femmelette. Voilà de quoi est fait le monde aujourd'hui. Des couards, des incapables, des poules mouillées. N'est-ce pas, gendarme, que j'ai raison? Moi, M. Chamboret, vous savez... Je sais ce que je sais, ça me suffit. J'en ai tant vu, on m'en a fait tant voir, enfin, je me comprends. Quand même, avoir bousillé ma voiture. Et d'après la carte grise, elle appartient à votre fils, M. Chamboret. Et alors? Qu'est-ce que ça change? C'est du pareil au même. Ici, dans ma famille, rien n'appartient à personne, tout appartient à tout le monde. L'entrepôt, c'est un tout. Avec autour des détails sans importance. Les détails ne m'intéressent pas. C'est pas que je m'ennuie, monsieur Chamboret. Oui, votre travail, votre devoir, vous êtes dans le vrai, gendarme. Continuez. Allez. Et passez dans le banc, je vous reconduis. Madame, messieurs. Au revoir, gendarme. Monsieur Jean, si j'ai besoin d'autres détails, je vous les demanderai. Oui. Mais je crois pas que ce sera nécessaire. Bon. Je vais faire un tour à l'hôpital. La mère des enfants doit y être. Une bien brave femme. Mais je la connais. La pauvre, elle doit être dans un drôle d'état. Si seulement elle pouvait s'en tirer, les gosses. Oh, le salaud. Et maintenant, bon à rien.
à nous deux. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Mais on vient de te le dire, mon ami. Que voudrais-tu savoir de plus? Ce que je veux savoir, c'est la vérité vraie. Pas celle du gendarme qui raconte n'importe quoi parce qu'il ne comprend rien à rien. Comme toujours, d'ailleurs, ça ne change pas. Regarde-moi, Jean. Oui, papa. Donc, tu as percuté cette borne? Les gendarmes l'ont constaté. À 70 à l'heure. Ça ne t'ennuierait pas de ne pas me prendre pour un imbécile? Tu ne sais pas faire grand-chose, mais au volant, tu as ton affaire. Enfin, tu serais à ton affaire à condition d'être dans ton état normal, mais es-tu dans ton état normal? Mais que veux-tu dire, mon ami? Aucune importance. Regarde ton fils. Il a l'œil vitreux. Jean a subi une commotion, c'est naturel. Une commotion, mais pas une égratignure. Pourvu qu'il n'ait pas de contusion interne. Il faut absolument qu'il voie le docteur tout de suite. Tu veux que je te le dise, son diagnostic? Ce petit imbécile a un verre dans le nez. Oh, papa, mais je te jure... Serment d'ivrogne, d'où venais-tu? Mais de nulle part. Où allais-tu? Papa, je rentrais à la maison. Et entre les deux? Je sais plus, moi. Oh, mon pauvre petit. Tais-toi. Je fais mon enquête, une enquête à ma façon. Nous disons donc qu'entre les deux, tu ne sais plus. Aucun souvenir. La borne, quand même. Elle doit bien te rappeler quelque chose, la borne. Oui. Je vais te rafraîchir la mémoire, compte sur moi. L'accident des deux gosses. Qu'est-ce que tu en penses? L'accident? Rien. Il a eu lieu avant le tien ou après? Comment veux-tu que je sache? Quand je suis passé sur la route, je n'ai rien vu. Tu n'as pas vu les gosses? Mais Victor, je t'en supplie. Tu n'as pas le droit d'accuser ton fils. Te rends-tu compte de ce que tu es en train de faire? Je n'accuse personne, je veux savoir. C'est peut-être pas sa faute à ce crétin. Les enfants ont pu se jeter sous ses roues, ça s'est déjà vu. Mais il le saurait, voyons. Il vient de te dire qu'il ne se souvient de rien. C'est la vérité. J'espère. Autrement, la voiture en miettes, un type aux trois quarts abruti qui tient à peine debout. Mais voyons... je sais, la commotion. Et puis zut. Dire que c'est un idiot pareil qui prendra la suite de mes affaires. Il va tout ficher en l'air, ça fait pas un pli. Mais j'en s'y mettra, j'en suis sûr. Et puis mon frère sera là pour l'épauler. Mais oui, Victor, compte sur moi. Si seulement tu en étais capable, si seulement tu ne jouais plus. Si seulement je vivais assez longtemps pour te tenir en laisse, alors oui, l'entrepôt pourrait se maintenir un bout de temps. D'avoir tant fait pour en arriver là. D'avoir que deux ânes pour tirer la charrette, ça me dégoûte. Vous entendez? Ça me dégoûte. Cécile, qui n'est qu'une employée, qui n'est qu'une femme, a plus d'envergure elle seule que vous deux réunis. À part moi, c'est le seul homme de la maison. Chacun fait ce qu'il peut selon ses moyens. Malheureusement, tu en as peu. Et mon fils n'en a pas du tout. C'est encore heureux que j'ai découvert la planche de salut, la bouée de sauvetage. Tu ne manques pas d'idées, c'est vrai. L'idée, c'est Brigitte Parzac. Une riche idée. Ce sera un beau et bon mariage. Un mariage d'amour, mon ami. Patience, bougre d'âne. Ne te réjouis pas trop vite, la petite Parzac est énergique. Elle a les pieds sur terre, elle t'aura à l'œil. C'est moi qui te le dis. Au besoin, je lui ferai la leçon. Une femme avertie en vaut deux. Mais oui, mon ami, mais oui, nous sommes tous d'accord avec toi. À propos, Jean. Oui. Puisque tu es en veine d'oublier, tire donc un trait sur le reste, ça vaudra mieux. Tu vois ce que je veux dire? Mireille sûrement. C'est fait, papa. Tant mieux. On ne court pas de lièvres à la fois, surtout quand il y a dans le lot un tocard. Mieux vaut tenir que courir. On court après une maîtresse quand elle est jolie, mais on doit tenir à sa femme quand elle a des principes. Or, la petite Parzac en a. J'aime autant te prévenir que des coups de canif dans le contrat, c'est pas son genre. Je te dis que c'est réglé, papa. J'ai rien contre Mireille Surmont, elle est méritante, elle aurait même une certaine classe. S'il en avait les moyens, elle n'en a pas. Une certaine aisance ne permet pas de se conduire avec aisance dans notre monde. Elle t'aurait gêné. Brigitte Parzac t'aidera. Tu comprends? Oui, papa. Je le souhaite. C'est pas parce que j'ai décroché le gros lot qu'il faudrait croire que c'est arrivé et qu'il n'y a plus qu'à se laisser vivre. Un gros lot, ça se décroche une fois, mais ça se gagne tous les jours. Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa. Ma chère, je ne croyais pas que c'était possible, mais ton fils est encore plus abruti que d'habitude. C'est la commotion ou le mariage. Je n'en sais fichera rien, peut-être les deux. Emmène-le donc se coucher, il ne tient pas debout. Quelle lavette, malheur, quelle lavette. Oh.
Préparez un chargement de bois pour l'Omnium. 20 tonnes d'anthracite pour les distributeurs réunis. C'est tout pour le moment. Allez. Bien, monsieur Chamboret. Entrez. Qu'est-ce que vous voulez, Cécile? On vous demande au téléphone, monsieur. De la part de qui? C'est personnel. Bon, passez-moi la communication. Sur la deuxième ligne, monsieur. Oh, ça va, ça va. Ah oui? J'écoute. C'est moi qui est à l'appareil. Ah. Vraiment? Ah, c'est d'accord. Où et quand? Tout de suite chez vous? Entendu, je saute dans ma voiture et j'arrive. Ah, je vous dis que c'est une affaire de quelques minutes. Je raccroche et je m'en vais. Cécile! Monsieur? Je sors. Un rendez-vous. Je l'inscris sur votre bloc. Non, non, c'est privé. Bien, monsieur. Si on me demande, je serai de retour d'ici à 2 heures, peut-être avant. Où puis-je vous toucher en cas d'urgence? Nulle part, si quelqu'un veut me voir, ici dans 2 heures. Compris? Oui, monsieur, j'en prends note. Bon, si par hasard on insistait, répondez que vous ne savez pas où je suis. Ce qui sera au plus vrai. Avant de partir, avez-vous le temps de me donner quelques signatures? J'allais justement vous apporter le parapheur. Tout à l'heure, plus tard, j'ai pas le temps. J'ai quand même le droit d'être pressé, non? Asseyez-vous. Merci d'être venu si vite. Puis-je vous offrir quelque chose? Non, rien, merci. Comme vous voudrez. Ce que je voudrais savoir, mademoiselle Surmont, c'est pourquoi vous m'avez téléphoné en insistant sur la gravité de ce que vous aviez à me dire. S'il s'agit de mon fils, je crois qu'il vous a tenu au courant, je n'ai rien à ajouter, sinon ceci. Ce qu'il y a eu entre vous est non seulement d'histoire ancienne, mais ne me regarde pas. À moins qu'il ne s'agisse d'autre chose, en ce cas, je vous écoute. Il s'agit de Jean. Alors je m'en vais. Restez. Bon, je veux bien vous accorder quelques minutes, mais faites vite, mon temps est précieux. Soyez tranquille, ce n'est pas avec moi que vous le perdrez. Je l'espère. Au fait. Savez-vous que Jean a renversé hier 2 enfants sur la route? Comment le sauriez-vous? Hier, justement, il est venu me voir. Nous avons parlé. Vous avez rompu? Il m'a signifié mon congé, en effet, avec une brutalité dont je ne l'aurais pas cru capable. Le ton est monté, il est parti fou furieux, dans un tel état que je l'ai suivi. Pourquoi faire? Ce que je sais. J'ai peur. Peur pour lui. Un reste d'amour. Un reste d'affection, si vous aimez mieux. Enfin, j'ai pris ma voiture et je l'ai suivi. Vous êtes libre de me croire ou de ne pas me croire? Je ne vous crois pas. Il a fait 20 kilomètres à un train d'enfer, puis il s'est arrêté, au Jimmy's. Vous pouvez contrôler. Il a pris coup sur coup 4 whisky. J'étais restée dans ma voiture, je l'ai vu faire, mais je ne pouvais pas intervenir, n'est-ce pas? Si je m'étais manifestée, pour lui, c'était pire. J'ai attendu qu'il sorte. Les whisky n'avaient rien arrangé, au contraire. Le barman s'en est aperçu, si vous y tenez, il vous le dira. Ensuite, continuez. Il a repris sa voiture. Il roulait devant, moi, derrière. Je ne souhaitais qu'une chose, qu'il arrive chez lui. Je rentrerai chez moi, ma présence l'aurait protégé, mais il n'en saurait rien. Les gosses marchaient sur le bas-côté en se tenant par la main. Il n'a même pas cherché à les éviter, ils ont été pris par l'aile et sont tombés. Jean a ralenti. Puis il a continué sa route en accélérant à mort.
Nous venions de passer devant un poste d'essence, j'ai fait demi-tour et j'ai donné l'alerte. En attendant l'ambulance, je suis revenue près des enfants. Il paraît qu'un des deux a des chances de s'en tirer. L'autre. L'autre est dans le coma. Les gendarmes ont recueilli mon témoignage. Je n'ai rien dit pour Jean, pour lui seul. Des années de bonheur, ça ne s'oublie pas. Je ne dirai rien, ni maintenant, ni jamais. Je ne comprends pas bien. Il y a dans votre récit certaines choses qui m'échappent. Et si vous n'avez pas menti, ce qui reste à prouver, je vous tire mon chapeau. Vous êtes une femme admirable. Je ne suis pas une femme admirable, non. J'avais une revanche à prendre, le hasard me l'offre, je la prends. Parlez à votre fils. Dites-lui qu'il revienne, que je l'attends. J'oublierai, vous oublierez, il oubliera. L'oubli, M. Chamborès, c'est une façon comme une autre d'être heureux. Et vous présentez les choses à votre idée. Vous les arrangez à votre façon. Je voudrais pouvoir vous répondre d'accord et tout serait dit, malheureusement. Malheureusement, pour qui? Pour moi? Pour nous tous, et j'en suis désolé. Si Jean vous revenait, c'est qu'une supposition. Une simple supposition. Nous serions dans l'impasse. Forcément, dans l'impasse. On peut toujours trouver une porte de sortie, le mariage en est une. Vous n'avez quand même pas la prétention d'épouser Jean. Mais si, je l'ai. C'est pas sérieux. Il se marie dans 2 mois, alors. C'est oui, c'est non. C'est non. Et Jean a son mot à dire, il me semble. Vous pourriez au moins le consulter. C'est pas lui qui décide, c'est moi. Il fera ce que je lui demanderai de faire. Non mais pour qui me prenez-vous? Pour un homme à qui j'offrais sa chance, mais qu'il a refusé. Je refuse votre ultimatum parce qu'il est inacceptable. Et comme il n'y a pas d'autre solution... Il y en a une autre. Et qui malheureusement me plaît moins. Vraiment? Laquelle? 10 millions. Inutile de marchander, c'est mon dernier mot. Mais c'est du chantage! Un abominable chantage! Ménagez vos expressions, Monsieur Chamborès, je pourrais me fâcher. Si je me fâche, je parle. Si je parle, votre fils est arrêté. S'il est arrêté, il sera condamné. Je pense qu'il ne faudra pas compter sur Mademoiselle Parzac pour le sortir de prison. Un chantage. Je vous croyais intelligente, ma fille, mais vous êtes tout simplement rusée. Et vous croyez me tenir? Mais vous n'avez rien contre nous, rien du tout, pas la moindre ombre de preuve. Votre histoire, c'est du vent, du vent. D'abord, il n'y a pas de témoin à part vous, soi-disant. Vous, la maîtresse qu'on liquide et qui se venge. Vous avez un mobile, c'est la première chose qui saute aux yeux. J'ai bien envie de porter plainte. Ma foi, oui. La prison, elle ne sera pas pour mon fils, elle sera pour vous. Il n'a pas pu renverser ses gosses. Comment aurait-il pu les renverser puisqu'il venait d'avoir un accident à des kilomètres de là? Un autre accident, oui, je sais. Un accident qui avait un but précis, n'est-ce pas? Bon, il n'était plus maître de scénaire, c'est vous qui l'avez dit. Les accidents, c'est comme ça qu'ils arrivent, surtout avec sa manie de conduire comme un fou. Il faisait tout juste un petit 70 quand il a heurté la borne. Qu'est-ce que ça prouve? Qu'il s'est brusquement senti fatigué, qu'il a ralenti? Après l'énervement, le coup de pompe, c'est classique. Et puis il avait bu. Oui, mais la chute des enfants l'avait dégrisé. Il descend de voiture un peu plus loin. Il examine les dégâts. L'aile et la calandre sont enfoncées. En cas d'enquête, il faudra bien qu'il s'explique. À moins, Monsieur Chamborès, qu'il ne provoque exprès un nouvel accident pour faire disparaître la preuve. Il n'y a pas d'arbre en vue, ni de mur. Allons-y pour la borne. Il se jette dessus avec suffisamment d'élan pour démolir tout l'avant de sa voiture, mais pas trop vite pour ne pas se tuer ni même se blesser. Les traces de l'accrochage ont disparu, les gendarmes n'y voient que du feu et le tour est joué. Pas joli, mais efficace. Malheureusement pour lui, et malheureusement pour vous, Monsieur Chamborès, j'ai tout vu. Alors, un conseil, ne parlez plus de chantage. Dédommagement me semble plus juste, vous ne croyez pas? Maintenant, vous pouvez partir. Nous nous verrons. Mais dans d'autres circonstances qui seront, je le crains, pour vous, fort désagréables. Oui, je m'en vais. Je m'en vais tout de suite. J'ai une démarche à faire, ne me retardez pas. Vous savez de quelle démarche il s'agit. Mais attendez un peu.
Rien de presse. Prenons notre temps, il faut réfléchir. C'est tout réfléchi. Je parlais pour moi. Vous devenez raisonnable, monsieur Chamboret. C'est préférable pour votre fils et pour vous. Raisonnable, je me le demande. Car enfin, qui me prouve qu'après... C'est un risque à courir. Laissez-le ou prenez-le. Mais faites vite. Quelques jours suffiront. Pas d'accord. Je vous donne jusqu'à ce soir. Un après-midi pour vous décider, c'est suffisant. J'espère. On ne vit que d'espérance, mais monsieur Chamboret, attention. On en meurt aussi. Jean, il faut que je te parle. Il faut que je te parle plus à fond de ton accident. Quelque chose me tracasse. Moi aussi, papa. Ah, tu vois ? Je suis ennuyé, très ennuyé pour la voiture. Oh, il s'agit bien de la voiture. Il pourrait y avoir là-dessous quelque chose de bien plus embêtant, de beaucoup plus grave. Tu vois ce que je veux dire ? Franchement, papa, non, je ne vois pas. N'aie pas peur. Tu me crains, je sais, mais tu n'as pas de raison d'avoir peur de moi. Au contraire, je suis ton père. Je veux tout savoir pour t'aider. Serrons-nous les coudes et tout ira bien. Mais d'abord, fais-moi confiance. Ne me cache rien. Hein ? Les enfants qu'on a retrouvés sur le bord de la route, tu es bien sûr au moins de ne pas les avoir renversés. Oh, papa... C'est pas une réponse. Enfin, pas une réponse comme je le voudrais. J'ai besoin de savoir si tu en es sûr, absolument sûr, sans aucun doute possible. Je ne sais pas. J'essaie de me souvenir, mais je ne me rappelle rien qui puisse ressembler à une certitude. J'étais si fatigué. Oh, ta fatigue, je me l'explique à la rigueur. Mais la mort d'un gosse... Malheur, c'est quand même une chose qui marque. Les enfants marchaient devant toi. Je ne les ai pas vus. Tu les as vus trop tard. Seulement après. Non, autrement je me serais arrêté. Ah bah, tu as continué ta route. Justement, je ne me suis aperçu de rien. Et pourtant, il y a eu un choc. Je ne l'ai pas senti. Ah, mais il y a eu un choc. Je ne sais pas. Non, 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 quand même, non, c'est trop facile. Mais tu me demandes la vérité, mais je te l'ai dit. Quelle misère. Mais si pourtant c'était toi. Il faudrait que... Je ne sais pas, moi, il faudrait le prouver. Ça ne me plaît pas beaucoup comme réponse. C'est une preuve. Où as-tu bien pu chercher une idée pareille ? C'est vrai, je suis idiot. Ça fait des années que je m'en aperçois. Je n'ai vu personne sur la route. J'aurais préféré que quelqu'un passe à ce moment-là. Au moins, nous aurions été fixés au lieu de supposer des choses que nous ne pouvons pas savoir, ni toi ni moi, puisque tu étais à la maison et moi dans le cirage. Tu étais dans le cirage, oui, mais pas assez pourtant pour n'avoir pas réfléchi. Continue, papa. J'ai réfléchi à quelque chose. Mais à quoi ? Dis-le, si tu as une idée derrière la tête. C'est le coup de la borne. Tu ne serais pas rentré dedans exprès, par hasard ? Pour esquinter la voiture ? Mais je ne suis pas fou. C'est justement ce que je me demande. Je suis bien obligé d'admettre que le coup de la borne, ça pourrait être un coup monté pour effacer une preuve, s'il en existait une. Je me fais comprendre, crétin ? Non. Alors tant pis. Je te préférais cinglé, même irresponsable, mais si tu es simplement moche, c'est la fin de tout. Mais papa... J'ai dit, tant pis. Allez, laisse-moi maintenant, j'ai affaire. Je peux t'aider ? Oh, mais aider. Tu n'as jamais aidé, c'est pas aujourd'hui que tu commenceras. Allez, fiche le camp, tu as compris ? Bon. Fiche le camp, plus vite que ça ! Bon. Il n'a rien dans la tête, ce petit, rien dans le ventre. C'est dommage. Cécile, passez-moi la ligne. Alors, courage, il faut y passer. Ici Chamboret. Oui. Je vous téléphone pour ce que vous savez. C'est d'accord, je prends. Le temps de réunir les fonds, je vous téléphone demain et nous conviendrons d'un rendez-vous. J'ai dit demain. Je répète que je suis d'accord et j'ajoute que vous avez ma parole. Vous avez raison de me faire confiance. Ma parole, c'est de l'or.
À demain. Entendu. Malheur, me voilà pris au piège. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Quoi? Rien, absolument rien. Si seulement je trouvais une idée, si seulement je pouvais imaginer quelque chose. Mais quoi? Quand on a le doigt pris dans l'engrenage, tu ne l'emporteras pas en paradis, Jean, tu me le paieras. Une idiotie de 10 millions, petit salaud, petit imbécile. Je ne peux rien vous dire, commissaire, je ne sais pas. Comment voudriez-vous que je sache? C'est atroce. Atroce. Mireille, la petite fille, c'est pas vrai, c'est un cauchemar. Excusez-moi, madame, vous n'avez touché à rien, n'est-ce pas? Oh, à rien. Je l'ai juste un peu bougé, je voulais pas croire. Mademoiselle Surmont était donc dans la salle de séjour de votre villa, étendue en travers de la cheminée. Elle avait quitté le magasin à 4h30. Il y avait une livraison à faire chez une cliente. Elle l'a faite? Oui. Ensuite, il était convenu qu'elle devait passer à la villa pour y prendre le carnet de chèques avant de revenir au magasin. J'en avais besoin pour un règlement. Mais le carnet de chèques est toujours là. Elle aussi, mon Dieu. Mireille n'a jamais fait de mal à personne. Pourquoi l'avoir tuée? L'arme du crime. Ce tisonnier. Vraisemblablement rupture des vertèbres cervicales. À part vous, personne n'était au courant de ce qu'elle devait venir prendre le carnet de chèques. Absolument personne qui aurait pu le savoir. Ça s'est passé très vite, juste avant qu'elle ne parte. Je suppose que la porte de la villa était fermée à clé. Comme toujours quand nous nous absentons. Donc, personne ne devait pouvoir entrer. Si. Nous laissons toujours ouverte la porte du garage pour ne pas avoir à l'ouvrir en rentrant. Au fond du garage, il y a une petite porte. Mais il faut être au courant pour entrer par là. Qui la connaît, cette porte? Nos intimes, des amis. Mais qui exactement, je ne saurais le dire. C'est pas très prudent. On n'a rien à prendre chez nous, on en a volé. De l'argent? Nous n'en laissons jamais ici, il est au magasin ou à la banque. Des bijoux? Nous en avons si peu. Des souvenirs de famille sans grande valeur, ils sont dans une cassette dans ma chambre. Ils y sont toujours, j'ai tout vérifié. Pourtant, il y avait quelqu'un dans la villa. À moins que votre fille ait ouvert la porte à quelqu'un qu'elle attendait ou qu'elle ne vendait pas. Mais nous ne quittons jamais le magasin avant 8h du soir. Il a fallu qu'aujourd'hui... Mademoiselle Surmont a pu surprendre un cambrioleur. Où tout était en ordre, aucun meuble n'a été fouillé. Mais... Reste l'autre hypothèse. Quelqu'un qui se présente, à qui elle ouvre, ou quelqu'un avec qui elle avait rendez-vous. Une amie? Un ami? Je ne peux pas vous dire. Il faut que j'insiste. Votre fille, avait-elle un ami? Un fiancé? Oh, à quoi bon vous cacher? Vous la prendrez un jour ou l'autre, alors? Oui, Mireille avait une liaison. Avec quelqu'un d'ici? Le fils Chamboret. Jean Chamboret. Celui des entrepôts? Oui. Mais il venait de rompre. Pourquoi? Mais puisque vous connaissez l'entrepôt, vous connaissez Victor Chamboret, le père. J'en ai entendu parler. C'est un homme très droit, mais très dur. Un homme qui sait ce qu'il veut. Il ne voulait pas du mariage, voilà. Je l'ai toujours pensé, mais Mireille aura mis 3 ans à s'en apercevoir. Jean Chamboret allait se marier. Ma fille a très mal supporté le choc, elle était très affectée. Mireille aimait Jean. Je crois qu'il l'aimait aussi. À quand remonte la rupture? Ben, il en était question depuis quelques mois, mais c'est il y a 2 jours qu'elle est devenue définitive. C'est bien récent. Tout pouvait ne pas être dit. Si Jean Chamboret aimait votre fille... Il l'aimait, mais c'est un faible. Ben, les faibles sont comme les autres. Placés devant le fait accompli, ils peuvent réfléchir, s'apercevoir qu'ils sont en train de faire fausse route, avoir un sursaut de volonté. C'est possible. Tout est possible. Du moment que c'est possible, pourquoi ne serait-ce pas avec lui que votre fille avait rendez-vous?
Oh, monsieur Jean, quelle nouvelle affreuse. Vous ne pouvez pas savoir combien nous sommes désolés pour mademoiselle Surmont. Pour vous aussi, bien sûr. Comme vous devez souffrir. Je compatis. Nous compatissons, mon vieux. Mais il n'y a pas de quoi te désespérer. La mort de Mireille, c'est dur quand même, je n'arrive pas à m'y faire. Vous aurez eu 3 merveilleuses années de bonheur, monsieur Jean. Ce sera votre consolation. C'est d'accord, Cécile, mais pas de sensiblerie. La rupture était déjà acquise quand le drame s'est produit. La mort de Mireille est navrante, mais de toute façon, pour monsieur Jean, elle ne change rien. Le journal parle d'un crime de rôdeur, monsieur Raymond. Ils en savent pas plus long que nous, les journaux. Allons, Jean. Du nerf, sapristi. Tu fais une tête de circonstance, d'accord. À l'entrepôt, d'ailleurs, tout le monde fait une tête de circonstance. C'est la loi des séries, qu'est-ce que tu veux. Quand un embêtement vous tombe dessus, un autre suit. Et puis la roue tourne, et le beau fixe revient. Mais que d'ennui en perspective. Sachant ce que vous étiez pour Mireille Surmont, monsieur Jean, la police va vous interroger. Il faudra faire très attention, à cause du scandale possible, vous comprenez? Oh, le scandale, il n'y a pas de raison qu'il y ait le moindre scandale. Jean avait une maîtresse, c'est normal. D'ailleurs, mademoiselle Parzac est au courant. Elle sait aussi que Jean a rompu. Enfin, elle vient d'apprendre qu'en admettant même qu'elle ait considéré la petite amie comme une rivale possible, elle n'a plus de soucis à se faire de ce côté-là. Alors, je dis que ce qui est un mal pour Mireille est un bien pour Jean, et qu'il ne peut pas y avoir de scandale pour la bonne raison que Jean n'a rien à se reprocher. Je crois rêver. Quelle oraison funèbre. Pauvre mademoiselle Surmont, si elle l'entendait. Il y a des choses, monsieur Raymond, qu'on peut à la rigueur penser, mais qu'on ne dit pas. Je suis tout d'une pièce, moi, comme ton père, Jean. Il en a des soucis, monsieur Chamboret. Celui-ci qui s'ajoute est de trop. C'est vrai, Raymond. Papa n'est pas bien. Je trouve qu'il n'est pas bien du tout. Avec tous ces ennuis, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Avec ton père, Jean, nous passons notre vie à donner des coups d'épée dans l'eau. Oh, je sais. Alors, mon vieux Jean, quand on t'interrogera, fais ce que tu dois faire, mais n'en fais pas trop. Mmh. Écoute, réponds, mais surtout, tais-toi. Mmh. Et sois précis autant que faire se peut. Tâche de te rappeler ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait et comment tu l'as fait. Contente ces messieurs pour ne plus en entendre parler et surtout pour qu'on ne parle pas de toi. Ne t'inquiète pas. C'est le conseil que te donnerait mademoiselle Parzac si tu le lui demandais. Pas d'esclandre, comme dit Cécile qui a de la tête. Et c'est s'en servir. Vivons cachés pour vivre heureux. C'est la grâce que je te souhaite. Mon vieux, fais confiance à l'oncle Raymond. Permettez un instant. Je désire parler à monsieur Chamboret. Le père ou le fils? Jean Chamboret. C'est moi. Commissaire Lavergne. Passons dans mon bureau, voulez-vous? Je suis. Prenez ce fauteuil, commissaire. Merci. Je vous écoute. Ma visite ne doit pas vous surprendre. Bien. Alors, au fait, vous étiez l'amant de mademoiselle Surmont. Je l'ai été. Mais je ne l'étais plus. Nous venions de rompre d'un commun accord. Je vais me marier. Mireille était une maîtresse charmante, mais je ne l'ai jamais considérée que comme une aventure. Ma vie était ailleurs, donc une séparation s'imposait. Pourtant, vous l'aimiez. Comme maîtresse, oui. Pas comme femme. Pendant 3 ans, elle s'est montrée sous un jour qui n'était pas le sien, solide, dévouée, ne cherchant qu'à me rendre heureux. Et vous? Je faisais mon possible. Sa dernière réaction m'a cruellement déçu. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Il y a 3 jours, quand je lui ai fait part de ma décision définitive. Elle n'avait plus à compter sur moi. Il était inutile de me relancer. Bien. Depuis? Depuis, elle a fait ce qu'elle a voulu. Elle était libre. Vous aussi. Forcément. Alors, ne vous formalisez pas, c'est la question classique. De votre côté, qu'avez-vous fait? Quel a été votre emploi du temps d'hier, disons, à partir de 5 heures du soir?
Je suis allé reconnaître, en début d'après-midi, un lot de bois sur pied qu'on nous propose à l'achat, c'est loin d'ici, dans les bois de Nolières. Ça m'a pris du temps, plus que je ne le pensais. Un peu après 4 heures, la nuit m'a surpris en plein travail. Vous étiez seul ? Je n'ai besoin de personne pour reconnaître une coupe de bois. Vers 4h30, je suis retourné vers ma voiture que j'avais laissée à 2 kilomètres dans un chemin creux. Il y avait des ornières profondes comme ça, du sable, de la boue, mes roues patinaient. Enfin, j'ai eu toutes les peines du monde à m'en sortir. Une fois désembourbé, j'ai repris la route et je suis revenu à l'entrepôt. Il était 6 heures passées, il n'y avait plus personne. J'ai travaillé ici même dans ce bureau et je suis rentré chez moi pour dîner à 7h30. Voici mon emploi du temps, commissaire, aussi précis que possible. Précis ? Peut-être un peu trop. Mais vérifiable. Peut-être pas assez. Je ne pouvais pas supposer que... Évidemment. À première vue, vous ne le pouviez pas. Oui. Courrier, monsieur. Posez-le sur le bureau, Cécile. Allez, maintenant, laissez-moi. Oui, monsieur. La coupe des Glandiers pour Raymond. Les bois de Nolières pour Jean. La coopérative du Pont de Loche, comptabilité. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Victor Chamboret, personnel. Une lettre anonyme. Oh, malheur. Que faisiez-vous le soir du crime chez Mademoiselle Surmont? Elle en savait trop long sur l'accident. Votre précieux fils allait avoir des ennuis. Il fallait la faire taire. Les morts ne parlent pas. Un conseil, faites comme elle. Taisez-vous. La police n'a pas besoin d'être au courant. Ou bien elle voudrait savoir pourquoi une certaine somme a été versée, pourquoi elle a disparu. Vous pourrez aussi penser que vous n'avez rien versé du tout, ce qui expliquerait bien des choses, mais n'arrangerait pas vos affaires, croyez-en. Un ami. Alors ça... Est-ce que j'arriverai un jour à me dépêtrer de cette histoire? On croit que c'est fini, qu'on a tout fait pour que ça finisse, et puis ça recommence. Mireille sûrement savait, je le savais, mais je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un d'autre au courant. Quelqu'un d'autre. Mais qui ? h 10. Bonjour, Cécile. Je suis en retard. Mon père est là ? Oui, monsieur Jean, depuis 10 minutes. Mais il ne vous a pas encore demandé. Tant mieux. Ah, Raymond, voilà enfin. Voilà plusieurs fois que père te réclame, il est furieux. Oh. Oui. Ce n'est pas vrai, monsieur Raymond. Monsieur Jean vous fait marcher. Oh, j'aime mieux ça. Au beau frère, c'est pas le moment d'énerver. Oh, mais non. Attention, le voilà. Alors, personne n'est encore au travail, on se tourne les pouces. On se raconte des histoires, quelles histoires? Vos histoires, je m'en fous. Toutes les histoires, d'où qu'elles viennent, je m'en fous. Vous entendez, je m'en fous. Il n'y avait personne dans la pièce de réception, alors je me suis permis de... Entrez, commissaire, entrez donc. Si vous le voulez bien, je vous emmène dans mon bureau. J'allais vous le demander. Je voudrais aussi que toutes les personnes ici présentes assistent à notre entretien. Si vous croyez que c'est utile. Ça le sera peut-être. Enfin, peut-être pas, je n'en sais rien. Mais c'est justement ce que je voudrais savoir. Dans ces conditions, si vous voulez me suivre... Mmh. Monsieur Chamboret, je suis ennuyé. Ennuyé pour vous. Pourquoi ne pas m'avoir dit que vous étiez chez Mademoiselle Surmont le soir du crime? Mais... Ah, il n'y a pas de mais, vous y étiez, on vous y a vu. Qui? Je pourrais vous répondre que ça ne vous regarde pas, mais je préfère vous dire que c'est moi qui pose les questions. Donc, on vous a vu. Était-ce la première fois que vous alliez chez Mademoiselle Surmont? La seconde. Nous nous sommes d'abord mis d'accord, c'était la veille. Ensuite, ce jour-là... Je lui ai apporté une somme d'argent. Combien? 10 millions. Bigre. Pour comprendre, il faut que vous sachiez... Papa, j'ai dit au commissaire que Mireille était mon amie depuis 3 ans. D'ailleurs, il le savait. Mon fils allait se marier.
Je voulais pas qu'il y ait d'un écroche de ce côté-là. Mademoiselle Surmont était gourmande, elle a profité de la situation. Sans être normale, c'était humain. Je lui ai donc remis la somme pour qu'elle mette son magasin en vente et qu'elle quitte la région. C'était en quelque sorte un cadeau de rupture. Une indemnité de congédiement, si vous préférez. Votre fils était au courant ? Commissaire, voyons. Laisse-moi parler. Non, commissaire. Je n'ai pas jugé utile de tenir mon fils au courant. Il s'était compromis, j'ai casqué, c'est une affaire de famille qui ne regarde que nous. Allez, c'est une version qui tiendrait debout, à la rigueur, si l'on avait retrouvé les 10 millions que vous prétendez avoir versés. Je ne prétends pas, je ne prétends rien. Je dis ce qui est. Après avoir péché par omission. Pour vous, c'est un détail, mais pour moi, c'est un détail qui pourrait tout remettre en cause. Je ne vois pas pourquoi, commissaire. Si l'on admet que les fonds ont été versés, on peut en déduire que le vol a été le mobile du crime. Mais qui pouvait savoir que vous aviez rendez-vous avec Mademoiselle Surmont pour lui remettre cette somme ? Depuis combien de temps étiez-vous en pourparler ? La dernière fois que j'ai vu Mireille, elle ne m'a rien dit. Elle ne pouvait rien dire, Jean. Nous nous sommes vus le lendemain de la dernière visite que tu lui as faite. Comment avez-vous pris contact ? Elle m'a téléphoné le matin. En effet, c'est moi qui ai passé la communication. Je venais d'arriver. Et comme ça, tranquillement, au bout du fil, elle vous aurait dit « Votre fils vient de me plaquer. C'est 10 millions. Venez, je vous attends. » Et vous vous seriez précipité chez elle pour la remercier d'avoir estimé votre fils au plus haut prix. Allons donc, monsieur Chamboret, c'est pas sérieux, ça. Pourquoi mentez-vous ? Je ne mens pas à proprement parler. Et c'est vrai que j'ai un peu arrangé les choses. Ma fille me faisait chanter, voilà. Et voilà que tout devient clair. Vous y allez, vous vous disputez, la dispute tourne à la bagarre, vous la tuez. Plus de chantage à craindre, vous allez pouvoir dormir tranquillement. Bien imaginé, commissaire. Mais pourriez-vous m'expliquer comment il se fait que cette fille que j'aurais tuée vient de m'envoyer coup sur coup trois lettres anonymes ? Vous les avez sur vous ? Montrez. Quel est donc cet accident dont il est question ? Un accident de voiture qu'a eu mon fils. Si j'en juge par la somme qu'on vous réclamait, l'accident devait être d'une exceptionnelle gravité. Au point où j'en suis, j'aime mieux tout vous dire. Mon fils aurait, je dis bien aurait, renversé deux enfants avec sa voiture. Il aurait pris la fuite, on l'aurait vu. Ce cyclone décapotable blanche était facilement identifiable. Jean ne croit pas qu'il ait causé cet accident. Moi non plus. En examinant sa voiture, nous aurions pu savoir ce qu'il y a de vrai ou de faux dans cette accusation, mais par un malheureux concours de circonstances, il a percuté une borne. La gendarmerie l'a constaté. Mademoiselle Surmont prétendait que c'était voulu, justement, pour faire disparaître la preuve. Mon fils est innocent, mais que pouvais-je faire pour le démontrer ? Rien ? Alors, j'ai payé. Mais voyons, papa, je suis rentré dans cette borne en fin de soirée. Le lendemain matin, de très bonne heure, Mireille te téléphone. Comment pouvait-elle être si vite au courant ? Par qui, mon vieux Jean ? Mais par un complice, parbleu. Un complice ? Alors, je comprends de moins en moins. Si le complice a l'argent, pourquoi continue-t-il à me faire chanter ? Si je peux me permettre une suggestion, monsieur, c'est pour vous faire peur, pour éviter que vous teniez la police au courant. Enfin, c'est du moins mon avis. C'est également le mien, mademoiselle. Vous avez un sens très aigu de l'observation. En somme, voici, en gros, comment je verrai les choses. Monsieur Chamboret se rend chez Mireille Surmont, il lui remet l'argent, il s'en va, le complice arrive, ou bien il était déjà là sans que Monsieur Chamboret le sache, peu importe, il n'y a pas accord au moment du partage, le complice assomme Mademoiselle Surmont et part avec les fonds. C'était si facile de s'enfuir avec le porte-document. Hein ? Cécile, qu'est-ce que vous avez dit ? Le porte-document, comment savez-vous que j'avais laissé mon porte-document chez Mademoiselle Surmont ? Je vous somme de répondre immédiatement ! Ah non, monsieur, je vous en prie ! Je n'agis plus ici comme votre employé, mais comme l'auxiliaire bénévole de la police. Si j'ai parlé du porte-document, c'est que je vous vois mal ayant enveloppé les liasses de billets dans du papier journal. Puisqu'il ne vous quitte jamais, pourquoi ne l'auriez-vous pas emporté justement ce jour-là ? Monsieur Chamboret ne vous attaque pas, mademoiselle. Il a été surpris, voilà tout, mettez-vous à sa place. Toute ma vie, je n'ai fait que ça. Me mettre à la place des autres. Répondre pour Monsieur Chamboret, épargner les ennuis à Monsieur Chamboret. Pour tout le monde, c'était toujours la même chose. Pourquoi s'en faire ? Cécile est là. Ce n'est pas vrai ce que je dis, Monsieur Jean. Oh, calmez-vous, Cécile, et laissez Monsieur Jean tranquille. Vous ne croyez pas qu'il a suffisamment d'ennuis sans en rajouter ? Et à qui la faute ? Ce n'est en tout cas pas la mienne. Était-ce à moi de l'empêcher de conduire comme un fou ? Cécile, taisez-vous. Mais c'est ce que j'ai toujours fait, depuis toujours. Me taire. J'ai l'habitude.
Qui prenait les communications pour vous, monsieur Jean, quand Mireille Surmont téléphonait? Qui vous glissait l'heure des rendez-vous dans le tuyau de l'oreille? Qui lui portait vos billets doux à domicile quand l'envie vous prenait de vous décommander? J'ai toujours cru que vous le faisiez de bon cœur. Mais comment donc? Quelle déception pour moi. Vraiment, monsieur Chamboret. Ça vous semble tout drôle que je ne sois plus à genoux devant votre précieux fils? Ce pauvre type qui, lorsqu'il a des chagrins d'amour, prend 4 whisky avant de prendre le volant. Mireille Surmont m'en a parlé. Au chimiste. Mais alors, Cécile, si vous le savez... Viens, papa, tu n'es pas bien. Viens, viens, il faut te reposer. Allez, non, viens. Non. Non, je resterai jusqu'au bout, mon petit, jusqu'au bout, je suis avec toi. Moi aussi, Jean. Puisque tu es dans les ennuis, je suis avec toi à 100%. On se serre les coudes dans la famille, quand tout ne va pas comme on voudrait. Un bloc. À la place de Mademoiselle Parzac, je prendrai le temps de réfléchir. Mais je suppose que c'est déjà fait. J'ai toujours été la chose de la famille Chamboret. Je ne souhaite pas qu'il y en arrive autant. À condition qu'elle saute le pas, ce qui n'est pas prouvé. Ce qui est prouvé, c'est que vous connaissiez Mireille Surmont. Je vous ai dit comment, commissaire, et pourquoi. Ne serait-ce pas par vous qu'elle aurait su l'accident de Jean Chamboret? Je parle de celui de la borne, pas de l'autre. Ce n'est pas impossible, mais je ne m'en souviens pas. Si vous voulez le prouver, prouvez-le. Vous savez bien que je ne le peux pas. Vous voyez. Je pense, par contre, que Mireille Surmont a eu l'idée du chantage, ou plutôt que vous avez procédé ensemble à sa mise au point. Prouvez-le. Mireille, vous répondrez que non. Malheureusement, les morts ne parlent pas. Et vous les faites parler. Mais à quoi rime cette sorte d'interrogatoire? La famille Chamboret aurait donc besoin d'un bouc émissaire? Ah, désolée de vous dire à tous que je n'ai pas la vocation. De toute manière, c'est fini, archi fini. Je démissionne de mon poste. Ah, je vais enfin vivre, non pour les autres, mais pour moi. Comment avez-vous su que Monsieur Jean a pris 4 whisky avant son accident? Par qui l'avez-vous su? Par Mireille sûrement. Prouvez-le! Après ce que vient de dire Monsieur Chamboret, voilà un point sur lequel nous sommes désormais fixés. Il en reste un autre. Dans une des lettres anonymes, je relève ceci. Voyons, votre presque fils allait avoir des ennuis. Votre précieux fils. Un peu plus loin, les morts ne parlent pas. Deux expressions que vous venez de reprendre mot pour mot, ce qui équivaut à une signature. Les lettres anonymes sont de vous. Autre chose encore, le porte-document de M. Chamboret. Comment saviez-vous qu'il l'avait laissé chez Mireille Surmont? Vous le saviez parce que vous étiez chez elle, pour réclamer votre part qu'on vous a refusée. C'est vous qui avez tué Mireille Surmont. C'était une gaffe! Oh, et puis j'en ai assez! Je n'en peux plus! Jamais je n'avouerai, vous entendez? Jamais! Vous pourriez vous en tirer au bénéfice du doute s'il y en avait un, mais il n'y en a pas. Vous ne pouvez plus vous en sortir, il n'y a aucune issue possible. Vous paierez. Mais s'il faut payer, je ne serai pas la seule. Le fils Chamboret paiera lui aussi. Et cher! Un gosse infirme, un autre tué, un casier judiciaire, voilà un joli présent à mettre dans une corbeille de mariage. Ce sera votre vengeance, n'est-ce pas? Mais comment? Je coule, mais il coule avec moi. S'il y a une justice, elle est égale pour nous deux. La famille Chamboret, finie. Ce n'est pas trop tôt. Non, Jean Chamboret n'est pas l'auteur de l'accident. Mireille Surmont le savait. Et vous le savez. Par qui le savez-vous? Par elle. La voiture qui a renversé les gosses n'était pas une décapotable blanche, mais une conduite intérieure noire. Il y a bien eu délit de fuite, mais les jeunes gens qui occupaient la voiture l'avaient volée. Ils se sont fait prendre et ils ont avoué. Maintenant, nous allons chez vous récupérer les fonds. Ils y sont certainement. Mon rôle est terminé. Viens, papa. Je vais t'accompagner dans ta chambre. Tiens, appuie-toi sur moi, là. N'y pense plus, papa. C'est fini. C'est fini, mon petit Jean. Oui, je sais. Et je ne crois pas que je pourrais jamais oublier. Vraiment, non, je ne crois pas. J'ai eu trop mal. Cécile. Je n'aurais jamais cru qu'il était possible d'avoir aussi mal.
Thank you.